Merci d'être venu, Eric. Ouais, de rien, merci de m'avoir invité. Ouais. C'est un bonheur d'être avec vous. Merci, ouais, Chanson, je l'adore, lui. Ouais, bon, ça va, ça va. Il est grand, il est beau, il est beau. Qu'est-ce que t'as bon goût. En tout cas, je suis trop content. Ça fait plus de 3 ans que je suis pas venu ici à Liège. J'ai envie de me jeter là, comme ça, de nager dans la frite. Ouais, bah, calme-toi, calme-toi. Laisse tomber, laisse tomber. Vas-y. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme numéro, hein? Comme prévu. Oui. Ouais, d'accord. Alors, c'est, on est bien d'accord. Hein, tu le fais disparaître à jamais. Je peux plus le sentir, d'accord? Ah non, mais c'est pas. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire le truc de l'hypnose. Tu le fais pas. Tu le fais disparaître. Non. Pourquoi non? Non, non, parce qu'il faut plus de pognon. Bien, alors... C'est-à-dire? Oh, 2000 balles. 2000 balles? 2000 balles de plus. Raquette, c'était pas prévu, dis donc. Ah si, moi je t'ai donné les prix dès le début. Hein. 2000 balles, c'est 2000 balles. Hein. Pardon. Bon, tu fais OK, tu fais l'hypnose, mais pour 1500 balles, c'est bon. Voilà, je vais faire un numéro, c'est pas seulement n'importe quel numéro, c'est-à-dire c'est un numéro où tu vas participer au numéro. Oh, génial, j'adore. Voilà, c'est trop bien. Alors tu te mets là, voilà. Mais tu passes jamais devant la star, tu fais le tour. Tu respectes, voilà. Tu retires ce petit... tu me retires ça, voilà. C'est joli, dis donc, c'est joli, toute cette petite implantation capillaire. C'est là, une robe de star, On a, c'est la moquette de Liège. c'est joli. Tu permets, Chantal? Tiens, peut-être tu peux jeter à nos assistants, aux esclaves là-bas. Voilà, merci. Voilà, c'est un terme technique. Alors, voilà, c'est parfait. Et les gars, les amis, les beaches, venez, j'ai besoin de deux garçons, si c'est possible. Voilà, deux garçons, merci beaucoup, c'est Oka. Je suis excité. Tu te calmes. Et alors, il m'énerve. Et alors, donc vous mettez là, et au cas où Jean-Phi tombe, vous le rattrapez, ok? Ouais. T'as déjà été hypnotisé? Je suis complètement réfractaire. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça alors, d'accord, ok. Excuse, avec ton accent, on ne comprend pas vraiment les mots qui sortent de ta bouche. Alors, c'est pas grave. Réfractaire. Un petit peu envie de le buter. Bien, alors, alors voilà ce qu'on va faire. Moi, je t'hypnotise, d'accord? Et toi, tu vas être en mon pouvoir. Je vais compter de 3 à 0. À 0, tu seras en état hypnotique, ok? 3, t'es concentré sur mes yeux. T'es concentré, t'es calme, t'es détendu, ok? 2, plus rien ne compte, sauf mes yeux, le son de ma voix. 1, tes yeux... Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Attention, 0. Pardon. Ça marche bien. Pardon, excusez-moi. Pardon, les gars. Mortimer, il s'appelle Mortimer. 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 Bon, les gars, je vais compter de 0 à 3. À 3, vous serez réveillés. Sinon, vous ne serez pas payés. 0. Chantal, ça va? Tu fais une petite sieste? Oui, ça viens va bien. Viens, viens. Ça m'a niqué le dos. Oui. Bien, alors, Chantal, tu sais que quelques minutes d'hypnose comme ça, c'est une nuit de sommeil. Ah oui. Tu viens de gagner 8 heures de sommeil. Je vais quand même aller faire une petite sieste avant de revenir. Attends, Chantal. Ouais. Chantal! Oui. Okay. OK, mon pote. OK. Les yeux, le son de ma voix. T'es concentré sur mes yeux et sur le son de ma voix. Plus rien ne compte sauf mes yeux, le son de ma voix. T'es concentré sur... Tout le reste du monde a disparu. 3, tu es concentré, calme et détendu. 2, tes paupières sont de plus en plus lourdes. 1, une envie irrésistible de t'endormir s'empare de toi. 0. Yes. Ouh, un petit régime de l'été. Vas-y, tu retires ça. Voilà, on le pose. Parfait. Merci, tiens, je te donne un coup de main. Parfait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'hypnose. Jean-Phi, à partir de maintenant, tu es en mon pouvoir. Jean-Phi, tu te souviens de ton ancien métier quand tu volais dans les avions, que la gravité n'avait pas de pouvoir sur toi. Il faut. Jean-Phi, tu es de plus en plus léger. Oh, c'est marrant, parce que ça me rappelle un bar à Rio de Janeiro où tu manges sur le corps d'hommes nus. C'est très... C'est où, ça? Tu dors. Tu dors. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que vous voulez connaître le secret de la lévitation? On n'entend rien! Excellent. Alors, il faut juste des sèches-cheveux, mais super puissants. Vous savez quoi, Flamagie, hein?